Je suis designer de mode ou brodeur ou tailleur, et tout dépend des moments. Et je suis actuellement à Montréal où je travaille. J'ai toujours jumelé mes études classiques et professionnelles. À 15 ans, j'ai suivi des cours et beaucoup de cours. Dès qu'il y avait un cours d'artisanat, je le suivais. Après, j'ai fait une formation de tailleur classique pour hommes. À Montréal, j'ai refait le Collège de la Salle en cours du soir. Et parallèlement, j'ai suivi à l'époque tous les cours de macramé, de tissage qui existaient dans les boutiques. J'étais assez curieux et j'en profite tous les jours de ma curiosité. La mode, c'est un métier à risque. Je pense que tout designer peut le comprendre. Chaque saison, on prépare une collection. On ne sait jamais si c'est la bonne longueur, si c'est la bonne couleur. Et après, même si on a vendu, il faut faire fabriquer. Du coup, je prends beaucoup de tissus unis que je modifie beaucoup, que je peux façonner, broder. Et c'est très important. Sinon, on se retrouve avec la même chose. Si c'est juste prendre un tissu et travailler dessus, je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Là, on reste encore dans le domaine du prêt-à-porter, ce qui est 1,20 m pour la petite robe, 1,80 m pour la veste, c'est assez limité. Tandis que la façon dont je travaille, ça peut être 12 mètres pour une chemise, ça peut être beaucoup plus. Je pense que c'est très important de pouvoir façonner son tissu. Je pense que porter du Elmer, le plus souvent, 80% des cas, il faut aller chez le coiffeur et avant, déjà, c'est déjà pas mal. Alors, c'est très facile. Les femmes, c'est plutôt les élégantes parce qu'il faut, c'est plutôt des vêtements d'occasion. Pour les hommes, la clientèle pour hommes, c'est des gens qui cherchent des vêtements bien coupés. Parce que c'est du sur-mesure que je fais pour l'homme. Pendant longtemps, je regardais les magazines Vogue et je regardais les vêtements qui étaient très bien faits, mais vraiment comme si c'était coupé dans du papier. Ça m'a beaucoup impressionné, mais pas forcément un couturier. Maintenant, je pense qu'il n'y a que mon travail qui m'impressionne.